Alors. Ok. Il y a un bateau là-bas. Oh, c'est le trésor, ça, non? Attends. Ah non. Attends, il est où le trésor? Oh, il est loin. Arme cachée de Moro. Ok. Et là, il y a un trésor qu'on peut aller chercher. Ok. La maison qui est là, on peut pas y accéder, je suppose. Non. Il y a la maison qui est là, on peut rentrer dedans, par contre, je pense. Alors, laisse la clé du bateau dans la cabane au fond de la mine. Hans est mort et je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête la pêche pour le moment. Sa mort n'était pas un accident, le pauvre s'est fait bouffer par un poisson géant, lui et son bateau. La cabane au fond de la mine. Au fond de la mine, la cabane. D'accord. Eh, parce que du coup, j'ai pas de quoi le démarrer le machin. Après, j'ai le bocal de ma meuf. Pourquoi je me casse pas en arrière? Ah, mais parce qu'il m'a fermé le passage. Alors, attends, faut que je revienne dans la mine? Ok. Je vois pas du tout. Bah, ça peut être là, mais. Ça doit être là-bas. Sauf que je peux pas. Comment je fais pour casser ça? Il doit y avoir moyen de casser ça. Ah, avec un couteau? Aussi simplement? Oh là là! Oh, par contre, genre le pont qui se fait tout seul, bon. Pas ouf. Ok, c'était juste ça en fait. Y a un truc là. Des sous. Oh. C'est un loup ou pas? Attendez, parce que si c'est un loup, je rigole pas parce que... Comment je fais pour l'échapper? Parce que le bruit me fait indiquer que c'est un loup là. On y va doucement. C'est quoi ça? Oh putain, il m'a fait peur lui! Avec sa hache là! Avec son truc de feu là! Vas-y, viens! Je croyais que c'était un loup moi au début. Oh, il est sorti, on aurait dit que c'était dédoublé le bug. J'ai cru que c'était un loup moi au début. Hein. Bon, on respire un peu, tout va bien, c'était pas un loup. C'est quoi ça? Yes! Je sais pas ce que j'ai fait. Munition de pistolet. Ok. C'est ça le fond de la mine ou pas? Ok. Alors, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Ouais. Clé du bateau. Il est là. Ah non, 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 non! Ah non, hein! Ah, je suis pas d'accord, hein, à la base, hein! À la base de la base, hein! Oh la vache! Oh, y'a du monde là! Ah, d'accord, c'est fermé! Oh! Oh, l'équipe! Badaboum! Vas-y, viens, viens, viens! Ah, y'en a un derrière moi, il est pas mort! Hein. Let's go. Toi t'es mort. Et toi t'es mort. Mais c'était sympathique tout ça. C'était fort sympathique. C'est
Ça, il est rentré par là, wesh. Le bug est rentré par là. Frère. Oh là là. Ah, vous me fatiguez, j'ai plus de balles là. C'est une dinguerie. Hein. Vous avez pas le droit de me faire ça. Balle de pompe. Pompe tuyau. Allez hop. Oh la dinguerie. Le mec il est rentré comme si c'était chez lui, tu sais. Ok. Mais du coup, on doit passer par. Eh, je suis perdu moi à force. Hein. On a les clés du bateau. Et ça, c'est cool. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. J'arrive! On va aller prendre le bateau. Vous êtes un poil chiant quand même. Hein. Je vais pas vous mentir, vous me faites un peu chier. Parce que genre vraiment, bah j'ai plus rien quoi. C'est un peu la merde. Niveau armes, je chiale mes grands morts là actuellement. J'ai plus rien. Bon, le bateau. Allez hop. Par contre, ça a parlé d'un poisson géant. Ah, c'est nous qui naviguons. Et ça m'inquiète. Attends, comment je fais pour y aller là? Mais moi je veux le coffre moi! Je veux le coffre moi! Par là? Bah non! Comment on fait pour avoir le coffre? Oh, je suis dégoûté. Bon bah go hein. Petite balade en bateau. Oh waouh! Surprise, motherfucker! C'est le poisson! Il est fameux, le poisson! Il va nous goumer! Je peux aller que là-bas en fait. C'est les poissons! Hop là! Hop! On se casse. Bien les bonjour. Oh. C'est quoi tout ça? On dirait wow. Un poste de surveillance. Un poste de surveillance. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ici? Oh, y a Groot. Ça va Groot? Pourquoi y a un quemé là? Wesh, y a un quemé. Reste à terre, putain. Ethan. Je dois dire que je suis surpris ah! De te trouver ici. Alors toi, on va discuter, toi et moi. C'est dommage qu'il je vais te mettre une balle dans les yeux, mon gars. Oui, Chris. Bien sûr. Attends, mais quoi? Je suis mis là. Alors, bique-moi, finis le boulot. Putain, c'était eux qui étaient dans l'église, du coup. Je détecte des mouvements suspects dehors. On ferait mieux d'y aller. Pourquoi il est là? Quel genre de mouvement? On sait ce que c'est? Négatif. Mais je crois qu'on est resté ici trop longtemps. Et Miranda. Ah, yes. Hein? Hé, hey, vous avez dit Miranda. C'est quoi je comprends pas, pourquoi ils sont rares. Vaut mieux ils connaissent tout pas. Là. Les échantillons, ça donne quoi? C'est clairement lié à la moisissure. Ah ça, nous on l'a la moisissure. Oh putain, il y a le poisson là-bas. Reste en dehors de tout ça, d'accord? Mais en dehors de quoi? Mais comment ça en dehors de tout ça, frère? T'as tué ma meuf? What the fuck? Oh non frère, y'a pas un combat sous l'eau, je vous en supplie. Hein. Mec, Christ est trop chelou frère. Tu me casses. Ah! Oh il est là lui! T'étais dans le bâtiment avec nous ou quoi? Comment tu vas? Ah il est moche. La sortie sous l'eau, t'es foutu? J'ai pas le temps. Non, j'avais dit pas de combat sous l'eau.
Vous êtes pas très gentil, hein. C'est trop tard. Miranda, prépare. Je comprends rien. Chris, il est trop chelou, elle a rien donné comme info. Me ralentir. Bah ouais. Ah, il est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pas toi. Mais de quoi tu parles? Oh putain de merde. Putain, mais c'est quoi ton problème? Ah frère, je sais pas, mais pouvoir tenir plus longtemps. C'est dégueu. Pourquoi? Oh, il me fait pitcher limite. Ah, c'est lui le poisson, bordel de chien. Oh, oh sa mère, c'est lui le poisson. Mais wesh. Ah, cours. Oh, waouh. J'imagine que si je me tourne, il n'y a plus rien. Oh, oh, oh là là. C'est lui le poisson. Et maintenant, je fais quoi? Je sais pas. Frère, là... Normalement, je suis avec toi, Ethan, mais là... Là, j'ai pas de mytho. C'est un peu la merde. What the fuck? Clinique de Moreau. Ah ouais, d'accord, on est à un nouveau lieu, quoi. Wow, frère. Frère, c'est chaud, là. Ah, mais on peut pas y aller non plus. Putain de merde. Bah, du coup, on voit la clinique. Genre, non, du coup, on voit pas la clinique, on va dans l'autre sens. Il a dit que la sortie était sous l'eau. Ouais. C'est lui, ça? Viens te battre. La sortie est sous l'eau. Bah, ok, frère. Si j'arrive à vider... Ah, faut vider l'eau. Oh, il est là-bas, putain, en plus. Nickel. Eh ben, je dis que c'est la mission. Interagir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, bah, ça doit être le code couleur pour ça. Ça doit être... Il y a du bruit là. Ça c'est quoi ça? Instruction pour l'utilisation des vannes. Lorsque de fortes pluies menacent la zone de pêche, il est conseillé d'évacuer le trop-plein d'eau en suivant les étapes ci-dessous. Actionner les moulins à vent à l'aide d'une manivelle pour avoir du courant dans le poste de garde. Tirer le levier pour ouvrir les vannes. Putain, mais en fait c'est un barrage quoi. C'est trop stylé par contre. Il est là-bas. Il est là-bas. Et après il y a ça là. Et là, il y a quoi? Oh, mon frère! Mon rouya, tu es là! Mais tu arrêtes pas de nous suivre! Dis donc! Naturellement. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on est content de te revoir, mon frère de toujours. Allez, tiens, prends ton crâne, prends ta bête, et donne-moi ton fric. Voilà. J'achète. Ouais, achète, ça me va très bien. On va devoir acheter des balles, hein, parce que malheureusement, on a vraiment pas attention plus de quoi faire. T'inquiète, t'es pas là pour moi. Y'a aucun souci, mon rey. Et je suis content de te retrouver, n'empêche, parce que jusqu'à maintenant, là, je me suis fait agresser un peu... Un peu beaucoup, tu vois, donc... Ok. Ah, du coup, on peut sortir par là pour l'autre côté. Bon, alors, on va prendre des balles, et ensuite, on ira. Parce que c'est pas ça, mais vraiment, c'est compliqué, les balles, là. Alors... On va prendre des balles. Bon, on va prendre le maximum, je pense. Voilà. Hop là. Ensuite. Ah, on peut en reprendre. Ah, le stock, c'est ça. D'accord. Ah, mais voilà. J'ai toutes les balles. Autre chose ? Ouais, t'inquiète, j'arrive. Je te prends juste ça. Et je te prends ça. Ça fait mal au cul d'acheter ça. D'avoir gaspillé autant d'argent. Mais en vrai... ça va me servir, donc c'est cool. Après, il y a toujours ces armes là qui sont du coup dans le pack du jeu que j'ai acheté avec le sabre laser. Mais je savais pas que j'avais le truc du trauma. Enfin, je sais pas si ça c'est trauma, je sais pas. Bon, dans tous les cas,
On a récupéré des balles. Merci à toi. On va pouvoir passer un petit peu à la suite des missions. Ça, c'est un chargeur à 11 balles. Let's go. On va pouvoir charger aussi le flingue. On a des balles en vrai. Je sais plus c'est quel flingue qu'il faut que j'utilise. Entièrement automatique ou un semi-automatique. Attends, faut que je regarde. Vous cherchez quelque chose. Je cherche à savoir quel est le plus puissant des deux. Alors, il a 170, mais lui, je peux l'augmenter. Donc, en vrai, niveau 3, 150. C'est peut-être pas utile en vrai, parce que si lui est déjà niveau 70, je vais peut-être utiliser que celui-là. Bon, ça, c'est cool. Ensuite, lui et lui. Le sniper, ça peut être intéressant de peut-être améliorer un petit peu. La cadence de tir, notamment. Et la caractéristique avec la puissance. Voilà. Ensuite, ça, on va peut-être le passer au niveau 2. Comme ça, c'est bon. Ok. Et là, pareil, on va mettre... ça paraît un peu cher. On va mettre le rechargement. Quoi ? Et la cadence de tir. Ça y est, c'est terminé. Voilà. J'espère pas avoir trop gaspillé de sous pour rien. J'espère que je m'en servirai. Il te reste pas des grenades ? T'as pas des grenades à me vendre ? Non, t'as pas de grenades à me vendre. Par contre, est-ce que je peux en fabriquer ? Je peux pas en fabriquer. Bref, allez, vas-y, on sauvegarde et du coup, on va pouvoir passer à la suite. Alors, du coup, on y va. On sait que maintenant, on doit rétablir le courant. On perd pas de temps. On se dirige vers une nouvelle zone. A tout à l'heure, mon frère. Ah, attends, il y a ce côté aussi. Bonjour, est-ce qu'il y a un cadavre là-dedans? Non, il y a du fluide chimique par contre, ça je prends. Allez hop. C'est parti. Alors, on va peut-être mettre le flingue. D'un coup, on a dit qu'on utilisait celui-là. On va le mettre à la place des bombes. Et on va utiliser celui-là en priorité maintenant. Alors, cette manivelle est dans un sale état. Quand je l'utilise, j'ai toujours peur qu'elle me reste dans les mains. Et il ne faudrait pas que ça arrive. Ce qui va nous arriver. Parce que la seule qui nous reste est au niveau du deuxième moulin. Ok. Ça marche. Hop, la volaille. Donne-moi ton poulet. Venez ici, les petits nuggets. Hop là. Hop là. Petite volaille là. Pour le déjeuner. Un petit coffre. Avec un fragment de cristal. Let's go. On prend. C'est bénef. De la ferraille. Et c'est tout ce qu'on a ici. On peut continuer à avancer là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un moulin. On a encore cette histoire de rouage. Il y en a plein partout. Ah, ça. Attends. Ok. Ça nous sert à avancer avec le machin. Ça nous servait à avancer avec le machin. J'y crois pas. On parie combien que c'est là-bas. Allez, c'est là-bas qu'il faut aller, c'est sûr. Avec la tyrolienne. Let's go. Attends, il est où? Ah, elle est là, putain, j'ai même pas vu. Hop là, on énerve Miranda encore un peu plus. Ah, il faut que je remette mon flingue ici. YOLO. Ok. Rien à récupérer. Waouh. Alors ma question c'est, est-ce qu'il est là? Ah oui, il est là. Puisque le pont est là. Et le bâtiment est là-bas. Du coup, il est ici en fait. Oh là, on va à 2 à l'heure par contre quand on avance. Il est dans l'eau du coup. C'est le truc qui m'inquiète. C'est qu'il est là, il est présent. Et du coup ça on peut le péter, on a vu à la main. C'est mieux. Ok.
Bah j'imagine qu'il faut y aller. Ah ouais. Alors ouais. Alors j'imagine qu'il y a un système de il faut pas y aller tout le temps parce que sinon il passe de... Il faut passer au bon moment quoi. Là tu vois il est là. Là on y va. C'est ça? Oh tu vas doucement frère, tu vas trop doucement. Oh il est passé au dessus de nous là. Pourquoi il est là? Alors qu'il était là. Ouah tu vas super. Il est stressant. Il est stressant ce type. Oui. Attends quoi? Pardon? Mais je fais comment là? Si ça, ça tombe pas? Waouh! C'est atroce de le voir juste à côté de toi. Attends, mais faut faire quoi là? Comment je suis censé faire ça? Bah non. Attends quoi? Alors là j'ai pas compris hein. Attends quoi? En haut et en bas. En haut et en bas. Comment ça en haut et en bas? Attends quoi? Bah non. Je crois qu'en plus il nous aide quand il dit ça. Quand il dit en haut et en bas. En haut et en bas. Oh il est là putain, c'est celui-là. Oh je suis trop con. Ah, oh, est-ce que c'est parce qu'il fallait... Est-ce que j'étais obligé de redescendre, de remonter vous pensez? Parce que du coup j'ai l'air d'un con si c'est ça. Waouh. Donc en fait il nous aide bien quand il dit en haut et en bas lui. Il est où? Il est pas là? Ah si il est là, c'est bon. Ah, il passe par là maintenant. Il passait pas avant. Hop là. Ok, on est passé, c'est bon. On est passé. Ok. Là, il y a une caisse. Il faudra que je pousse pour l'amener là. Un peu comme ça là d'ailleurs, voilà, ça. C'est un peu l'idée. Ça, c'est logique en vrai. Ouais, et du coup il va falloir que j'en mette un autre. Ok. Ouvrir. Ah yes. Interagir. Ça a pas marché. Ah si. Oh let's go. Comment je remonte? Je refais ça là. Oh ça m'angoisse à max. Alors ça c'est le bleu. Attends pourquoi ça dysfonctionne? Oh non il y a une histoire de timing. Alors attendez, parce qu'il y a du bleu, il y a du orange et il y a du vert là-bas. Mmh. Hop là. Ok. Là, il y a les deux.
Et le troisième ? Ouais, il y a le troisième aussi. Munition de Magnum. Comment ça, des munitions de Magnum ? Alors, attendez. Normalement, je suis assez logique sur ce genre de truc. Le problème du... Attends, déjà, on va tester. Combien de temps il dure, lui ? Ok, il dure à peu près 25 secondes. Donc, en gros, il faudrait que j'active... En... De toute façon, je l'active en dernier. Il faut que je fasse bleu-orange. Non, orange-bleu. Ouais, c'est ça. Orange-bleu et... Allez, vas-y. 1, 2 et 3. Donc le bleu, il s'active, le orange, on réactive le orange derrière. Hop là, c'est bon. C'est exactement ça. Wouh ! C'est passé. La logique est logique. Où est-ce qu'il est ? Je traverse ? Wouah, j'ai traversé pile au mauvais moment. Wouah. Calme-toi mon frère. On va sur celui-là en premier. Ouais, on est d'accord avec toi, frère. Vite, l'autre. Non. Hop là. Le timing, toute une histoire de timing ici. Ok, on trace. Let's go. Pour. Ok, on est de retour ici. Et là, on va pouvoir remonter et le descendre. J'aime bien, il y a un peu de logique, genre un peu de jeu de, d'énigme. Ça, j'aime bien en vrai. Même s'il y a putain de poisson qui est là. Vas-y, go! Super. Yes. Ok. Alors, on monte. Et on peut activer ça. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Attends, what? Baisse, on dirait. Ah, c'est un bateau? Faut pas que ça reste là. Ok. Oula. Ah oui, d'accord. Ok. Et bien on se casse. Ah. Pourquoi j'ai pas des bouts d'échelle? Il est dans le bateau? Il n'y a plus de bateau. Attends, je peux pas faire. Ah oui, attends. Si, pardon, c'est ça. C'était pas logique. J'avais pas vu le cadenas. Eh ben. What? Pardon? Il vient vraiment de sauter là? Manivelle. Impossible de monter comme ça. Comment ça impossible de monter comme ça? Attends. Ça me stresse. Ah, au manivelle, ça va être bien pour les ponts, les autres. Ok. Ah, ok, je viens de comprendre. Ça a fait monter l'échelle. Ouais, c'est ça. Vas-y, go. J'ai l'impression qu'il est en train de casser le moulin. C'est clairement ça. C'est là, pardon. Ah non, pas là. Monte ou non? Attends. Ah si, c'est là, pardon. Non? Attends. Ah si, c'est là, pardon. Yeah, let's go! Wow.
Et ben ce fut stressant. Mais on a récupéré la manivelle du coup. What the fuck. Ah j'ai bien aimé cette partie là en vrai. Hormis le fait que... Ok. Putain de monstre. Ah ça c'est cool. Ouvrir les vannes. Ça c'est cool. Pas des trucs à récupérer non. Bah on se casse du coup. Je suppose. On se casse. Je vais sauvegarder en vrai. Hop là. Super. Et du coup on peut ouvrir les vannes. Alors du coup. Ça m'a fait peur mec. Alors du coup. Ça en est bon. Là c'est bleu. Là c'est noir. Ah y'a pas noir. Là c'est blanc. Là c'est bleu. Là c'est... Attends. Y'a que celui-là où on sait pas. Ah il est pas dans le bon sens je crois. Non? Attends. Ah c'est ça. Attends, il faut le tourner comme ça. Du coup, c'est... Ah non, attends. C'est par rapport à la petite manivelle. Donc, bleu, blanc, orange. Bleu, blanc, orange. Bleu, blanc, orange. Blanc, orange. Bon, en gros, la diagonale est orange. Et la diagonale du haut... Ok, c'est bon, j'ai. Donc, diagonale orange. Là c'est bleu, ça c'est blanc, et celui-là, et celui-là je sais pas, c'est bleu ça ou pas? Si le truc est là, ouais voilà c'est bleu, les deux du bas sont bleus. Okay. Let's go. C'est tout? Ça y est? Interagir? Ah, let's go. Mais c'est évident qu'il va passer... Il va passer dessous, non? Super. Ouais. Trouver la sortie. Ok. D'accord. Bah c'est super. Alors, en toute logique... C'est vrai qu'on repasse par là où on est arrivé, je dirais... Ah putain, j'avoue, je sais pas en fait. On va passer au milieu du pont, là. Un bail comme ça. Allez non. Salut hein. Moi je reste avec lui. Et toi tu dors encore. Ok. Ah mais du coup ça c'est descendu. Je peux y aller maintenant. C'est ça les bails. Eh oui, ça c'était sous l'eau avant. 1er octobre, il fait beau. Mère Miranda m'a apporté 5 villageois comme je lui avais demandé. Je les ai endormis avec un liquide et puis je leur ai mis le cadou dans le ventre. J'ai hâte de voir le cadou grandir dans leur bide. 2 octobre, il y a des nuages. 4 des villageois sont morts ce matin. Il y en a un qui est presque devenu un lican. Alors je lui ai envoyé à mon labo dans la montagne. J'ai encore raté. Maman, elle veut des enveloppes plus fortes, mais moi j'en trouve aucune. Il me faut plus de villageois. D'accord. Chargeur grande capacité pour le M911, celui que j'ai dans la main, non? La modification, attends, c'est lui. Modifier arme, avec ça. Ok. Ah ouais, 17 balles de 9. Pas mal. Ok. Ok. Là, il y a des sous. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette petite maison? Non. Ça a pas l'air. Attends, quoi? Ok. Oh, ça a l'air d'être une arène, ça. Bah, let's go, j'ai envie de te dire. Allez, hein. Ah, non. Ferraille, le fût chimique. Oula, ouais, ça sent le combat final. Oh, oui.
Oh oui, ça sent le combat final. J'ai les deux fusées à pompe, la mitraillette et le pistolet. Je pense que je vais mettre le sniper à la place. Le pistolet. Ok. Et ça là? Examiner. Pourquoi pas après tout? Parti non? Ok. Ah ok, ça a débloqué la zone. Alors attends, est-ce que du coup... On doit... Oh, il y a ça qui peut nous servir. Attends, on va prendre le gun. Je m'attendais pas à ce qu'il se pointe. Il y a des mines et tout. Vas-y, viens, 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 viens. Vas-y, viens, viens, viens. Ok, let's go, on se barre. Là, il y en a un. Parfait, il va là-bas. Où est-ce qu'il est? Ok. Pas pratique de fou là ce que je viens de faire. Ouais ouais, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, il fait quoi le bug là? Oh waouh 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 waouh. C'est un baril ça, on est d'accord? Il a contaminé l'eau? Ah oui, elle est contaminée l'eau. Ok. Oh, il a rajouté des... Oh, attends, 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 il y a des trucs là. Oh non, elle est trop proche. Oh. Attends. Ah, c'est bon, je l'ai. Ouh là 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 là. Ah non, ça par contre. Je pense que je suis mort, hein. Oh non. Il est là, il est là. Attends. Vas-y, viens, 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 viens. Tu peux pas venir, frère? Attends, deux secondes. Comment je fais pour le... En vrai, ça, je reprends. Là, t'es là. Vas-y, viens, 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 viens. Let's go. Enfoiré. J'en vois pas d'autres. Wow, 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 wow. Ah. Ah si, je peux en faire. Attends. Ok. Vas-y, viens. Non? Viens pour voir. Qu'est-ce qu'il fait, putain? Il fait une roulade, c'est un chat, le gars. Je peux pas le tuer, là? Allez, prends ça. Parce que... Il est là-bas. Oh waouh. Oh merde. Ah ouais non, c'est pas... J'ai pas de... Je peux plus là.
Attends. Ça. On y va! Oh là là. Ah ouais, mais c'est chaud pour moi là. Je suis un peu dans la merde, je peux rien faire, non? Attends, ça là. Ah, je peux même pas. Oh c'est chaud. Ah ouais, là. Ok. Comment je peux faire, putain? Ah, il y a ça. Lance-grenade, mais j'ai... Pourquoi j'ai pas de lance-grenade? Ok, vas-y, go. Ok, ça c'est bien. Vas-y. Vas-y, viens, viens. Vas-y, viens. Let's go. On va prendre l'autre. Là. Oh, t'es proche. Oh, t'es vachement proche, mec. Oh, je l'ai eu. Oh, let's go. Oh. J'ai failli mourir, hein. C'était chaud. Hein. Oh non, il va exploser. À un moment, elle l'a tué. Premier coup. Oh. Oh, il a implosé le bordel. Let's go. Yeux de Moro. Il aura été dégueulasse. Jusqu'au bout. Ah, ouais. Ah, il était dégueulasse, lui. Bon, mais ça, tant pis. Ah, il y avait des trucs là. J'avais pas vu. Ouf, mais putain. C'était chaud, hein. On va se soigner. Ouf. Quel combat. Eh, on l'a eu du premier coup. Et ça, je suis content.